Longtemps considérés comme des aliments nutritifs et protecteurs, les fruits et légumes, source d'énergie pour le bon fonctionnement de l'organisme, abondent les marchés de la capitale. Les fruits et les légumes sont très indispensables parce qu'ils contiennent des éléments qu'on appelle micronutriments. Ça veut dire des vitamines et des sels minéraux. Importés pour la plupart du Cameroun voisin, certains de ces aliments sont produits sur place. C'est le cas de ceux provenant de la culture maraîchère. Dans cette activité génératrice de revenus, il est utilisé des produits phytosanitaires pour améliorer le rendement des exploitations et lutter contre les insectes dévastateurs. Les jardiniers, la plupart utilisent pour bien développer, surtout leurs salades, même certaines plantes, ça peut bien développer. Quand ils mettent ça sur les plantes, quand vous voyez comme ça, vous êtes content de voir ça. L'utilisation abusive des produits chimiques n'est pas sans conséquence, car selon les vendeurs, la différence entre les aliments bio et ceux à base des produits phytosanitaires se fait ressentir dans leurs apparences à un moment donné de la journée. C'est dans ce sens qu'intervient le Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires, CECOGDA, afin de donner à la population une alimentation saine avec moins de risques liés à la consommation. Nous demandons à ceux qui travaillent dans le cadre donc de la vente de ces aliments, de passer par le CECOGDA pour évaluer ne serait-ce que le taux de pesticides. Pour réduire le risque d'intoxication lié aux produits phytosanitaires, en ce qui concerne les aliments qui échappent au contrôle du CECOGDA, quelques questions d'usage pratique s'imposent. Les fruits et les légumes, on doit les laver, les tremper dans de l'eau qui peut contenir de l'eau de Javel, du lait. Vous prenez de l'eau de Javel, du lait, vous pouvez mettre dans 5 litres. Et vous trempez vos fruits et légumes pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et après, vous les rincez, comme ça vous êtes un peu rassuré. Voilà, tout est dit. Laver avant toute consommation reste la solution majeure, car prévenir vaut mieux que guérir, dit un adage.